C'est dans le 2000, célébrant principal, chers confrères, frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonne fête. Merci. Chaque année, le 6 août, l'Église universelle célèbre solennellement la transfiguration du Seigneur, 40 jours avant l'exaltation de la Sainte Croix. Aujourd'hui encore, la communauté de Jacques est en joie. C'est la fête de notre paroisse sous le vocable de la transfiguration de Jésus.
Donne-nous, Seigneur, un cœur qui écoute. En effet, nous sommes invités ce matin à écouter le Christ, notre seul maître, et à contempler le grand mystère de sa transfiguration à la suite de ses trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Révérend Père, religieux, religieuse, pèlerin, au nom de toute la communauté de foi, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Frères et sœurs bien-aimés, je suis convaincu que cette célébration eucharistique, en ce moment difficile, sera source de grâce et de bénédiction pour chacun et pour chacune de nous. Bonne participation. Levez-vous et chantons ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père, frères, sœurs, bien-aimés, nous sommes venus des quatre coins de l'horizon, heureux d'être rassemblés ce matin pour célébrer la transfiguration de Jésus. Nous venons d'entonner le jour de la transfiguration, les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus resplendissant, Jésus transfiguré. Nous sommes venus faire notre propre expérience avec le Christ transfiguré. Nous voulons lui demander particulièrement de nous donner en cette solennité d'aujourd'hui un cœur nouveau. Nous sommes venus quémander un cœur nouveau. Notre cœur peut être tombé malade facilement par le péché. Au seuil de cette célébration eucharistique, humblement, reconnaissons nos péchés, nos faiblesses, nos limites et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, la Sainte et tous les saints, et vous aussi, de prier pour moi, au Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans la transfiguration de ton Christ, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi. Et tu as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage.
Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. La vision de Daniel fait allusion à Jésus qui s'identifie, à Dieu dont le vêtement est blanc comme la neige, et au Fils de l'homme à qui est donné gloire, puissance et royauté. Lecture du livre de Daniel, chapitre 7e, le verset 9 à 10, puis le verset 13-14. Nous méditerons le psaume 96. Deuxième lecture. Nous avons vu le Seigneur ressuscité. Nous l'avons contemplé lui-même dans sa grandeur. Et nous avons entendu la voix venue du ciel quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. De la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre, chapitre 1er, du verset 16 au verset 19. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des millions d'êtres le servaient. Des centaines de millions se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Thank you.
Les nous t'es fait, nous connaît pour voir à présence grand maître nous Jésus Christ. Mais c'est à preuve genou nous t'es ouais grand elle. L'été recevoir considération à belté dans mes bon Dieu papa. Les voix sautent dans grande belté bon Dieu papa, descend sous lit. Si là c'est petit moyen, ça me remet. Dans lit moi joindre plaisir. Coutel. Vois ça, nous t'étendons sur le ciel là. Là nous t'es avec lui sous moine qui saigne. Nous des paroles prophètes yo qui solide. Nous des raisons et t'as gardé tant qu'une lampe qui éclaire dans un côté qui fait noir. Juste dans la journée apparaît. Pour étoiles grand matin monter dans kenne. Parole grand maître là. Et Jean, que Jésus te prend ensemble avec lui, nous même tous nous montons sous tête monde, nous venons faire une expérience. Alors pour mon cap, gardez-nous sur télévision, captendez-nous sur radio, et qui par contre côté nous situer nous dans Delma 95, Jacquet, qui sont en tête monde par rapport à cette ville-là, nous dans les hauteurs. Frère Semio, yon temps de veine, yon temps fête patronale, c'est un temps fort dans la vie en communauté. C'est un temps privilégié côté nous formuler demande nous yo, nous présenter au bail bon Dieu en temps en attente pour plus grâce, plus faveur les tomber sous nous. Tomber sous famille nous yo à toute communauté à une occasion spéciale ça. Occasion fête patronale. Pendant tout l'événement, c'est ça nous t'a fait. Et c'est ça nous venons faire encore. Dans le jour, gros fête là. Nous venons dire bon Dieu merci, mais en même temps, nous venons continuer à présenter lui souci nous, difficulté la vie nous, poids la vie, qui en pile fois qu'on pèse trois loups sous épaules nous. Mais en dans l'événement avec fête là, il y a une demande fondamentale qui doit une demande collective. C'est chaque monde, c'est tout le monde. Qui doit adhérer à sa thème nous limander nous. C'est pour ça que nous avons un thème pour nous méditer, qui pour guider réflexion nous, pour nous la prier pendant temps nous venons avec jour fête là. Donne-nous, Seigneur, un cœur qui écoute. C'est une prière, une demande. Donne-nous, Seigneur, un cœur qui écoute. N'a pas demandé, bon Dieu, un cœur attentif, un cœur qui disposé. Mais comment nous sommes capables d'écouter si tout d'abord nous ne prenons pas le temps pour nous faire silence? Parce que pour nous écouter, il faut que nous soyons silencieux. Si nous n'avons pas parlé en même temps, finalement, pas personne qui a écouté. Et si c'est une conversation normale, nous devons tourner dans un cri parce que chaque monde va lever une pour couvrir l'autre. Et comme ça, finalement, pas personne qui a attendu. C'est expérience qui a été faite, elle était en répondre. Parce que devant un événement pareil, un événement éblouissant, Jésus qui transfiguré, resplendissant, et mais il était prêt à parler, pour lui dire, il était bon pour nous rester ici là, permettre que nous construisions trois tentes. Mais même moment, l'évangile l'a rapporté, nous, il y a une nuit qui couvre, il y a un nuage qui vient couvrir, et il y a une voix qui sortit dans ciel là. Une voix qui comme, pour dire Pierre, vous mettez fait silence qu'on est là, pour écouter, qui sa voix lui-même, l'a dit nous. Et vous avez fait l'autre recommandation que, même supplication, ça. Il m'a dit pour nous, écouter. Il m'a dit pour nous, attentif à parole, bon Dieu. Attentif à volonté, bon Dieu. Attentif à commandement, bon Dieu. À plan, bon Dieu, pour nous. Projet, bon Dieu, il gagne pour nous.
Mais nous disons demandé qui choye pour que nous. Nous avons dit ça son demande qui concernait tout le monde. Pas seulement nous-mêmes chrétiens catholiques qui rassemblés, qui ont célébré, fait ça. Mais il concernait tout le monde. Nous connaissons qui rôle que a lui-même lui joué dans le fonctionnement commun. Nous connaissons qui rôle central que a lui-même lui joué. Qui permet presque tout fonctionnement organisme moun yo même yo fonctionner bien. C'est créa qui pompe sang, c'est créa qui moteur tout corps. Et créa ne pas seulement faire référence avec réalité matérielle corps, ça veut dire corps matière corps même, mais nous faire référence tout à ça qui a rapport avec la vie affective, émotionnelle, sentimentale, puisque nous dit c'est lui qui siège côté sentiment yo, émotion yo, passion yo réside, bonne ou mauvaise. Créa lui-même tout lui fait référence à la vie spirituelle, mon nom. On a parlé de créa, on a demandé bon Dieu pour lui nourrir en même temps l'esprit nous avec nous. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, c'est ce que nous retrouvons dans le psaume 50. Le psaume 50 nous fait prier ainsi. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Et par la bouche du prophète Ézéchiel, le Seigneur nous assure qu'il nous donnera ce cœur nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Oui, cœur à nous toutes, nous gagnons déjà. Organe ça. Mais c'est qui cœur nous gagne? C'est qui mode cœur nous gagne? C'est une question pour nous toutes nous poser tête, nous n'avons jamais fait ça. Il y a plusieurs façons, plusieurs sens dans le cœur, nous sommes capables de dire au monde, il y a un cœur. Nous sommes capables de dire dans le sens parce que c'est un monde qui est fort devant l'épreuve. Il y a un monde qui est courageux. C'est le gars ça, par exemple, il y a un utilisé, le monde dit, il n'a pas retrouvé dans le domaine de la santé, par exemple. Parce que il sentit qu'il n'a pas un cœur pour lui garder une série de souffrances. Il n'a pas un cœur pour lui approcher le monde devant une telle misère que quand lui-même est capable de retrouver, le monde ça, il est malade. Nous sommes capables de dire, le monde qui a un cœur, c'est parce qu'il est sensible devant la souffrance de l'autre. Parce que dans une situation donnée, ça que naturellement, quel t'a dû dire pour le faire, et comme s'il ferme le cœur, il bouche le cœur, il pas réagir. Il fait comme s'il n'y a pas. Et là, ça, l'un des gens qui a un cœur, c'est une façon pour nous dire, il y a un cœur qui dit, il y a un cœur qui est en roche. Si nous utilisons le cœur pour nous dire, il y a un cœur nommé, il y a un cœur sensible. Il y a un cœur qui est bon, il y a un cœur qui est capable de remettre, il y a un cœur qui souffre avec l'autre, mais en même temps, tout nous utilisons le cœur à tout pour nous dire au monde qui est insensible. Mes frères, mes sœurs, puisque le cœur, nous l'avons déjà, il nous faut demander maintenant au Seigneur une rénovation du cœur, une ouverture du cœur. Et qualité principale, première qualité, nous avons demandé pour que nous gagnions, c'est pour être capable d'écouter. Pour nous avoir un cœur qui est attentif, un cœur qui est ouvert, un cœur qui est disposé, un cœur qui est accueillant et qui rend tout le monde venir accueillant ensemble avec lui. Mais c'est qui laisse n'a coûté même? C'est qui ça n'a coûté? Comment n'a coûté ça n'a coûté? Et c'est qui là nous doit écouter? En pile question. Écoutez qui? Écoutez quoi? Écoutez comment et écoutez quand? Est-ce que nous dit d'écouter que nous, parce qu'il y a un autre langage qui est associé avec que toujours, on a parlé de l'autre moitié dans la réalité la vie sentimentale, et bien qu'on considère le monde qui est en face là vis-à-vis comme une autre moitié. C'est comme si une partie dans que est réservée pour lui. Oui, les conjoints doivent s'écouter, les conjoints doivent s'écouter réciproquement pour qu'ils puissent remplir leur fonction d'entraide, pour qu'ils puissent céder mutuellement. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Tout ce que racontent les gens, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, tout ce qui se dit dans les médias traditionnels ou modernes, est-ce écouter ceux qui ont la voix au chapitre, ceux qui parlent fort, les haut-parleurs ou les beaux-parleurs? Nous en avons à profusion dans notre pays. Écoutez qui, écoutez quoi, frères et sœurs bien-aimés? Il faut pouvoir écouter le Seigneur. Il faut pouvoir écouter la voix du Seigneur. Oui, le Seigneur nous parle. Plus d'un se demande déjà pourquoi il est plus facile d'écouter les autres
et de croire ce qu'ils nous disent, par n'importe quel médium que cela nous arrive. Quand nous savons que les hommes savent mentir, on t'a dit que c'est une possibilité qu'il y a un monde pour lui penser un bagage et pour lui dire un autre bagage. Ça veut dire qu'il dit un bagage qui n'est pas marché d'accord avec ça, le penser. Il y a un monde capable de prendre faire un bagage et puis lui dire un autre bagage. Il n'y a pas de cohérence, pas de harmonie entre ça, le dire avec ça, le faire. C'est ça, nous relais, mentir. Ne pas penser un mot de ce que l'on dit, c'est synonyme de mentir. Oui, nous avons menti, nous faisons expérience mentir. Et ça capable même nous-mêmes, quelquefois, nous baillons menti. Pour justifier, nous sommes capables de dire que c'est un petit menti, mais qui c'est un petit menti, qui c'est un gros menti, c'est menti. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils ont justifié mentir parce qu'ils étaient engagés. Ils ont comme menti pour être capable de libérer pied parce qu'ils étaient gênés. Mais qui ont baillé pour jouer, qui ont baillé pour une cause sérieuse, ils ont tout menti. Et ils tout c'est menti. Comment écouter cette voix subtile, voix silencieuse, mais quand même sublime? C'est expérience ça que tu as fait. Les autres des voix papa ou dans le ciel là qui parlait avec eux. Expérience Samuel capable de servir nous comme un grand modèle. Samuel trouvait avec prêtre Élie, mais il entendait une voix qui parlait avec lui. Il n'est pas capable de déterminer qui voit ça. À plusieurs reprises, il pensait que c'est prêtre qui relève dans le côté. Mais à chaque fois, il dit, tout est couché. Ce n'est pas moi qui relève. Mais finalement, avec aide, prêtre là qui dit, finalement, si vous avez voir relève encore, on va dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais qui attitude nous, chaque nous devons gagner, je dis, on a fait ça. Mais qui parole nous, chaque nous devons capable de reprendre pour nous faire tourner propre parole, pas nous. Parle le Seigneur, ton serviteur écoute. Expérience, Moïse, tout capable de servir nous. Même humilité, même docilité, même disposition pour écouter voir mon Dieu. Moïse trouvait lui une expérience inhabituelle. Pendant que lui voit un pied bois qui a du feu là-dedans, qui t'a dû normalement brûler, consumer, faire son, mais lui rendit compte pendant que pied bois l'a brûlé, mais il n'a pas consumé, il n'a pas tourné son. Et voilà que yon voit dit Moïse, retirez sa patte dans le pied, parce que côté il y a son côté qui sait, lui obéit. Et il baissait tête, il courbait devant voir ça, devant puissance, mon Dieu, ya, pour le capable d'écouter voir mon Dieu qui a parlé ensemble avec lui. Dans la Bible, dans la vie Seigneur, nous sommes capables de prendre un pile avec un paquet d'exemples qui pareil. Mais ce qui est plus important, nous devons retenir nous tout à nous chaque, c'est qu'à côté de toute expérience, un pile l'autre monde, un pile génération, un pile ancêtres dans la foi, le même mieux fait, c'est que nous venons faire propre expérience, pas nous. Expérience nous venons faire, je dis à cette expérience, écoute. Et nous ne pouvons pas faire seulement jeudi. Hein? Nous ne pouvons pas faire seulement pendant la période de fête là. Ça répond à la question quand. C'est tout le temps que nous devons écouter voir mon Dieu. Parce que tout le temps, mon Dieu, il y a qui choye pour nous dire. Si Jésus dit nous, pour nous prier sans cesse, pour nous prier tout le temps, pour nous prier sans arrêter. Et nous connaissons prière son dialogue. Nous parlons avec mon Dieu, il parle avec nous. Et mais si nous devons prier tout le temps, et bien tout le temps, nous devons disposer pour nous écouter. Voir mon Dieu qui a parlé avec nous dans toute situation de la vie, nous, dans tout événement de la vie. Nous. Il n'est pas capable de contenter. Pour lui t'a pensé, il a la prière seulement les liens en difficulté. Ou bien il a essayé d'écouter voir mon Dieu, les liens en situation, côté que lui qui dépassait les limites. Li. Il n'a pas gagné une parole pour situation ça. Il n'a pas une solution pour problème ça. Il n'a pas une issue pour épreuve ça. Alors comme lui-même, il n'a pas gagné un mot, et puis il laisse la chercher, mot par bon Dieu. Non. C'est tout le temps que nous devons écouter bon Dieu. C'est dans toute situation de la vie, nous. Nous devons écouter bon Dieu lui-même qui a parlé avec nous. Mais comment? Il ne s'agit pas d'une écoute simpliste, d'une écoute vague, d'une écoute superficielle, factice. Ce n'est pas un fait semblant. Donc, on a dit pour modestie, parce qu'il y a une fausse modestie, on a dit son fausse écoute. Il y a un monde qui a une apparence écoute, il paraît faire silence extérieurement pour écouter bon Dieu qui a parlé avec lui. Mais nous a dit en non, il y a une quantité de turbulence, il y a une quantité de bruit. Qui fait que véritablement, quel pas disposé pour l'écouter. Il n'est pas prêt pour l'écouter. Écoute ça, n'a pas l'air, c'est une écoute attentive, une écoute soutenue. Une écoute qui allait même au-delà de écoute. Parce que il frôlait la compréhension. Très proche de la compréhension. Une écoute qui suscite un acquiescement et qui invite finalement à l'action. Bref, c'est une écoute active. Une écoute qui ne fait pas nous réfléchir à nos situations passives.
mais qui par la suite invite nous à l'action, qui invite nous pour agir, qui invite nous pour nous travailler. Songez bien dans l'évangile là, Jésus voulait parler de parole de Dieu qui prêchait, parole de Dieu qui annonçait. Et ce n'est pas toutes oreilles qui accueillent parole là, qui tendent, qui comprennent, qui marchent d'après parole là. Mais il dit que celui qui a des oreilles entende. Et que celui qui a un cœur pour comprendre, comprenne. Cœur est associé avec compréhension. Capacité ça que nous gagnons pour nous assimiler, pour nous vivre une valeur, pour nous vivre un idéal, pour nous faire un bagage qui est dans le niveau idée, qui est seulement conceptualisé pour nous faire atterrir dans la vie, nous, pour lui tourner réalité et pour nous vivre réalité ça. Même jour avec Discipio, sous tête mon nom, dans l'épisode Transfiguration, côté Jésus, lui changeait visage devant vous, et bien que nous tous, lui doué prêt pour l'écouter, voir papa qui a parlé avec nous, dans tout temps et dans toute situation de la vie, nous, ni situation qui est contente, tout comme situation de détresse, ni nos situations faites, tout comme situation de deuil. Oui, frère, c'est mieux. Bon Dieu, il a besoin pour nos oreilles, nous, l'ouvrir, pour nous capables d'écouter. Il a besoin pour que nous l'ouvrir. Il a besoin pour nos yeux, nous l'ouvrir, pour nous capables de merveille, pour nous capables de manifestation. Même Jean, disciple, a apporté, ouais, événement ça, sous tête monde. Lors de cette manifestation glorieuse de Jésus sur la montagne, si les disciples n'avaient pas écouté la voix qui leur parlait, ils n'auraient pas eu à témoigner avec une telle ardeur, avec une telle conviction, comme l'ont fait Matthieu dans l'évangile et Pierre dans sa deuxième lettre que nous avons écoutée dans la deuxième lecture de la messe de ce matin. Tout en précisant qu'il ne s'agit pas de récits imaginaires, sophistiqués, Pierre nous dit ceci, cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Je vois encore Pierre qui pourrait renchérir, et cette vision admirable, inouïe, incomparable, nous l'avons nous-mêmes eue quand nous étions avec lui sur la montagne. Ou encore cette expérience à nul autre pareil, cette expérience extraordinaire, cette expérience du ciel, nous l'avons faite quand nous étions avec lui sur la montagne. Qui ça nous vient, ouais? Je n'ai jamais dit à nous faire ça. Qui ça nous vient tendre? Qui expérience nous vient faire? Qui la prière nous vient faire? Qui ça nous vient demander, bon Dieu? Est-ce que nous avons demandé de changer le cœur nous? Est-ce que nous avons demandé de changer la vie nous? Est-ce que nous avons demandé de changer la situation nous vivions? Oui, nous avons besoin de ça parce que nous n'avons pas capable d'être statique, nous appelons pour évoluer, puisque nous avons grandi, l'âge a monté, mais nous avons transformé, l'idée de transformer extérieurement, tant qu'intérieurement. Oui, nous voulons demander, mon Dieu, changement. Mais c'est dans quel sens nous avons demandé le changement? Est-ce que c'est dans le sens amélioration? Est-ce que c'est dans le sens progrès? Ou bien si c'est dans le sens régression? Pour nous vivre moins bon, pour nous vivre moins remède, pour nous vivre moins capacité pour nous vivre avec l'autre, pour nous collaborer avec l'autre, pour nous mettre ensemble, pour nous bâtir, pour nous construire. Si nous demandons bon Dieu pour les construire le monde que nous y sommes, pour nous changer que nous, nous changer nous comme monde, et maintenant nous demandons tout, possibilité, capacité pour nous continuer à mettre les mains ensemble, pour nous construire, bâtir communauté, ça, tout comme dans l'architecture, dans la construction, mais tant que dans la réalité la foi, réalité la vie spirituelle, relation avec monde que nous vivons dans la communauté, ça. Frères, sœurs, bien-aimés, laissons-nous transformer. Transfiguré par Jésus. Laissons-lui transformer notre cœur afin d'avoir comme lui un cœur bon, un cœur aimant, un cœur compatissant, un cœur miséricordieux. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, dont nous allons ouvrir ou nous ouvrons aujourd'hui même la neuvaine, et bien qu'elle nous donne un cœur semblable à son cœur. Marie de Cali, il était toujours à écouter parole, bon Dieu. Il était toujours l'ouvrir pour lui accueillir parole, ça. Et pour lui mettre en pratique dans la ville. C'est même démarche ça, nous inviter pour nous faire journée aujourd'hui, dans la fête transfiguration. Pour nous avoir un cœur qui semble à pas Jésus, cœur sacré Jésus. Un cœur qui semble à cœur immaculé, maman Marie. Pour que nous soyons capables de rêver véritablement. Pour que nous soyons capables de mettre tête nous ensemble. Pour nous bâtir, communauté nous.
pour nous bâtir pays nous. Pour nos papa, à petite là, à l'Esprit Saint. Amen. Nous connaissons la frère Semio Campé pour nous capables de déclarer la foi nous, non bon Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la terre que je m'en prie. A souffert sous conscience, a été crucifié, mort et a été consolé, descendu aux enfers, le troisième jour, il a ressuscité les morts, et monté au ciel, et passé à la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il est là, Dieu, le mort et le mort, je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Kounyela n'a présenté toute intention à la prière, nous, by bon Dieu. N'a fait avec un cœur qui simple, un cœur qui humble, un cœur qui disposé pour écouter pendant la prière, ça, ça, bon Dieu lui-même, l'a dit nous, ensemble, en nous la prière. Jaillir la lumière dans les ténèbres. Que la joie de la résurrection transfigure ton Église et rejaillisse sur toutes les nations. Nous t'en prions. Pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, transfigure-les à la lumière de ta grâce, afin qu'ils deviennent de vrais messagers de l'espérance et de l'évangile pour le monde d'aujourd'hui. Nous t'en prions. Thank you.
Dieu Père, tu es le très haut sur toute la terre. Accorde aux dirigeants des nations d'entendre ta voix dans l'intime de leur conscience pour qu'advienne la justice et la paix sur toute la terre. Nous t'en prions. Deviennent semblables au corps glorieux de ton Fils. Que les personnes âgées, les malades, tous ceux qui souffrent dans leur âme ou dans leur corps, entendent Jésus quand il leur dit « Relève-toi et sois sans crainte, car je suis avec toi. » Nous t'en prions. Dieu Père, tu nous demandes d'écouter ton Fils bien-aimé. Augmente la foi dans notre nouvelle communauté paroissiale pour que la vie de chacun et chacune puisse devenir transfiguration, qui dévoile ce que nous sommes vraiment, créé à l'image de notre Père. Que la grâce du sacrement de l'Eucharistie et celui de la pénitence nous fasse renaître sans cesse. Nous t'en prions. Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par le mystère de ton Fils transfiguré en gloire, et dans le rayonnement de sa lumière, purifie-nous de la lèpre du péché. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a montré sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où son corps semblable au nôtre fut revêtu d'une grande lumière. Il prépara ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il laissait transparaître en sa chair la clarté dont resplendira le corps de son Église. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, son auxiliaire du Cange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Spécialement, nous prions pour Marie Félina Milfort, qui célèbre un nouveau printemps, pour Tarline, Micarlène Régis, qui célèbre également un nouveau printemps. Et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un seul et même esprit, cet esprit qui nous transforme le cœur, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ce jour de fête, dans la charité du Christ, échangeons un signe de sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Thank you.
Prions encore le Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, par cette nourriture venue de toi, qu'elle nous fasse ressembler davantage à celui dont tu as révélé la splendeur dans le mystère de la transfiguration. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères, mes sœurs, nous venons de rendre grâce au Seigneur de tout notre cœur, car c'est lui, c'est bien lui qui est la cause de tout bien. Il est notre bouclier, notre consolateur. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Permettez-nous, Père Sénal Nomil, de vous remercier. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Sans aucun doute, votre message nous va droit au cœur. Mille fois merci, mon frère. Chers confrères et amis prêtres, merci d'être venus célébrer avec nous. Merci de votre solidarité sacerdotale. Compliment. Merci. Merci à tous les confrères qui nous ont accompagnés au cours de la neuvaine préparatoire. Merci à mon cousin, prêtre de confession anglicane, curé de la paroisse de Montrouy, Père Jean-Marc Vétinel. Merci, mon frère. À toutes les religieuses qui travaillent dans la communauté de Jacques, soyez-vous aussi grandement remerciés. Un merci spécial à toute l'équipe de Radio Télé Soleil, de Radio Télé Guinée et de Radio Petite Maman Marie. Compliment. Merci. Notre célébration cette année a été belle, superbe. Merci de tout cœur à nos proches, à collaborateurs, à tous les groupes et chorales de la paroisse. Merci à tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la réussite de cette fête, notamment Madame Alexis pour la décoration, aux différents comités, accueil, offrande, nettoyage, au club des mamans de la paroisse, aux servants d'hôtel. Merci à l'intergroupe pour cette belle animation. Nos musiciens, à tous, merci. Merci beaucoup. Merci bien mérité à Madame Chantal pour la restauration. À vous, amis et fidèles catholiques de Jacques, et à tous ceux qui ont fait le long déplacement pour se joindre à nous encore cette année. Merci beaucoup. Merci et bonne fête. J'aime le dire, dernier en exécution, mais première en intention. Père Brunet se dit tout le monde merci, mais lui-même nous prend le merci en dernier. Mais au fond, c'est le premier monde pour nous remercier. Parce que si ce n'est pas lui-même, engagement, si ce n'est pas de sacrifice, le travail à faire avec nous dans la communauté, nous n'avons pas de fête que nous gagnons aujourd'hui. Avec tout le père qui l'a aidé, nous dit Père Brunet un gros merci. Et avec Père Brunet, c'est tout chorale, tout comité, qui n'a pas ça, tout groupe. Moi, je dis merci pour l'accueil que vous faites moi-même personnellement et tout pays qui viennent célébrer ensemble avec nous.
Nous te disons au Mélia, je dis assez ouverture neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption, l'église mère de notre diocèse. Je vous invite maintenant à vous lever. Nous allons saluer la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos seins, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Notre-Dame de l'Assomption. Notre-Dame de l'Assomption. Notre-Dame de l'Assomption. Jésus doux et humble de cœur, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Jésus doux et humble de cœur. Jésus doux et humble de cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite tout à chaque bonne fête de la Transfiguration. Je vous demande, tant que l'apôtre Paul t'a fait, je vous supplie pour nous quitter que nous transformer, pour nous quitter, bon Dieu, transformer la vie. Bonne fête, bonne fin de journée à chacun de vous. Merci. Merci. Allez dans la paix du Christ.